Shalom tout Israël, dans le beau nom de Yahshua, Amashiach ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Isaïe, Yeshayahu, chapitre 40, du verset 1 au verset 26, et je lirai jusqu'au verset 31, c'est-à-dire tout le chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Elohim. Parlez au cœur de Yerushalayim et criez-lui que son temps d'épreuve est fini, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main de Yahweh double peine pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, déblayez la route de Yahweh, nivelez dans la campagne aride une chaussée pour notre Elohim. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et colline s'abaisse, que les pentes se changent en plaine, les crêtes escarpées en vallons. La gloire de Yahweh va se révéler et toutes les créatures ensemble en seront témoins. C'est la bouche de Yahweh qui le déclare. Une voix dit « Proclame !» et on a répondu « Que proclamerai-je ? Toute chair est comme de l'herbe. » Et toute sa beauté est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand l'haleine de Yahweh a soufflé sur elle. Or, le peuple est comme cette herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Elohim subsiste à jamais. Monte sur une montagne élevée, porteuse de bonnes nouvelles pour Tzion. Élève ta voix avec force, messagère de Yerushalayim. Élève-la sans crainte, annonce aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Oui, voici Adonai, Yahweh, s'avançant en héros, avec son bras triomphant. Voici, il apporte son salaire avec lui et sa rémunération le précède. Tel un berger menant paître son troupeau, recueille les agneaux dans ses bras, les porte dans son sein et conduit avec douceur les mères qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions du ciel à l'empan? Qui a jaugé la poussière de la terre, pesé au crochet les montagnes et les coteaux avec une balance? Qui a embrassé l'esprit de Yahweh? Qui a été le conseiller de sa pensée? Avec qui a-t-il délibéré pour s'éclairer, pour apprendre la voie de la justice? Qui lui a donné des leçons de sagesse et indiqué le chemin de l'intelligence? Certes, les nations, à ses yeux, sont comme une goutte tombant du seau, comme un grain de poussière dans la balance. Certes, il ballotterait les îles comme des atomes. Le Liban ne suffirait pas à nourrir le feu de son autel. Ces bêtes ne suffiraient pas à un holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Il les considère comme le vide et le néant. À qui donc pourriez-vous comparer Elohim et quelle image lui donneriez-vous comme pendant? Une statue écoulée par le fondeur, plaquée d'or par l'orfèvre, qui l'a garnie? Qui l'a garnie encore de chaînettes d'argent? Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois incorruptible, puis s'en va chercher un ouvrier habile, qui fabrique une idole qui ne bronche jamais. Vous ne savez donc pas, vous ne comprenez donc pas, ne vous l'a-t-on pas appris dès l'origine? Ne saisissez-vous pas ce qu'enseignent les fondements de la terre? C'est lui qui siège au-dessus du globe de la terre, dont les habitants sont pour lui comme des sauterelles. C'est lui qui déroule les cieux comme une tenture, qui les déploie comme un pavillon pour sa résidence. C'est lui qui réduit les princes à néant, qui fait à rien des arbitres du monde. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tronc a-t-il pris racine dans le sol, que déjà ils soufflent sur eux et ils se dessèchent, et un ouragan les emporte comme le chaume. À qui donc m'assimilerez-vous?
À qui vais-je ressembler ? Dit le saint. Levez les regards vers les cieux et voyez. Qui les a appelés à l'existence ? Qui fait défiler les armées en bon ordre ? Tous, il les appelle par leur nom, et telle est sa puissance et son autorité souveraine, que pas un ne fait défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, t'écris-tu, ô Israël ? Ma voix est inconnue à Yahweh, mon droit échappe à mon Elohim. Ne le sais-tu donc pas, ne l'as-tu pas ouï dire, Yahweh est l'Elohim de l'éternité, le créateur des dernières limites du monde. Il n'éprouve ni fatigue ni lassitude. Il n'est point de borne à son intelligence. Il redonne la vigueur aux courbaturés et double le courage de celui qui est à bout de force. Que les adolescents soient las et harassés, que les jeunes gens tombent en défaillance. Ceux qui mettent leur espoir en Elohim acquièrent de nouvelles forces. Ils prennent le rapide essor des aigles, ils courent et ne sont pas fatigués. Ils vont et ne se lassent point. Amen. Shabbat Shalom.